Sabardé. Ouais, ouais, Sabardé. Ouais, ouais, Sabardé. Hey, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là ça va être un haul. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais là j'ai plein de choses à vous montrer de plein de marques. Donc il y a Shein, il y a Runway, des sites d'Instagram, tout ça. Et je vais vous faire un try on, comme ça vous allez voir comment ça donne portée. Ah oui, avant de commencer le haul, je voulais vous dire qu'il y a encore un concours. Et là ça va être avec Ali Perless Hair. Donc là j'ai reçu 4 paquets et une closure. Et donc les 4 paquets c'est 24 pouces et la closure c'est 20 pouces. Donc c'est des péruviennes et franchement je doute pas de la qualité, j'ai déjà fait plusieurs partenariats avec eux. Donc vraiment j'espère que vous allez être contente et que voilà, ça va vous plaire. Vu que j'ai vu qu'avec Unice Air ça a bien marché, donc je me suis dit que ce serait bien d'en faire encore un autre. Comme d'habitude, il y aura plusieurs gagnantes. Je vous mettrai toutes les conditions en barre d'infos, mais vous savez qu'il faut s'abonner à Adperless Air sur YouTube et sur Instagram. Et faut être abonné aussi à mon Instagram. Et ensuite vous aurez juste à commenter sous ma vidéo je participe au concours avec votre nom Instagram ou votre adresse email et je vous contacterai d'ici une ou deux semaines. Donc on va commencer tout de suite. Donc ce que j'ai eu en premier de chez Runway, c'est ça, c'est genre un espèce de pull crop top, mais je trouve qu'il est trop crop top en fait, genre si vous mettez ça, essayez de le mettre avec un pantalon taille haute, sinon ça va faire trop vulgaire, bizarre. Mais sinon la matière elle est vraiment bien et je sais pas, c'est j'aime bien. Ensuite il y a eu un débardeur comme ça de chez Romney. Donc sur celui là aussi il y a rien à dire, genre il est cool. Mais je sais pas, on dirait il monte trop genre sur les bras, ça fait, on dirait qu'il y a un détail qui est mal fait. Mais bon, c'est les sites chinois, genre il y aura toujours un truc qui va pas. Mais sinon au niveau de la taille ça va. Et concernant toutes les tailles, j'ai pris M ou L. Et je vous conseille de prendre toujours une taille au dessus parce que les sites chinois ils taillent vraiment petit. Donc je pense que ça c'est un truc que vous savez déjà. Mais c'est vrai que si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises, c'est mieux de faire ça. Ensuite, bah, y a eu ce gilet de chez Shein. Il est grave bien. Genre, il est un peu transparent, mais pas trop. Du coup, quand vous avez une tenue un peu, genre, je vais pas dire vulgaire, mais voilà quoi. Bah, vous mettez ça et ça casse tout de suite le truc. Et voilà. Ensuite, il y a ça. Bon, là, j'ai trop le seum. Genre, c'est un pantalon aussi de chez Romwe. Il est grave bien. Genre, la matière, elle est grave belle. C'est des pantalons qu'on voit pas souvent. Mais vas-y, je l'ai porté et non. C'est pas passé, genre c'est passé jusqu'aux hanches, mais j'arrivais pas à le fermer. Donc comme je vous dis, prenez vraiment une taille au dessus parce qu'après c'est mort, genre vous allez être déçus. Et donc soit je vais le donner à quelqu'un, soit j'attends de maigrir, mais bon, bizarre. Ensuite on va passer à un autre site chinois qui est New Chic. Ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est des trucs qu'on voit sur Instagram tout ça et qu'on voit jamais en magasin. Donc sur le site j'ai pris plein de claquettes. En plus c'était grave pas cher, genre c'était en tout cas moins de 10 €. Les premières claquettes que j'ai prises c'est celle-là. Claquette à fou, vous voyez souvent les gens avec dans la rue. Mais dans les magasins chinois ça coûte grave cher, or que sur le site c'est archi pas cher. Bon après c'est vrai qu'il faut attendre un peu plus longtemps, genre 2 semaines pour les avoir, mais je trouve que ça vaut le coup. Ensuite il y a celle-là genre en rose. Elles sont cool, mais j'aurais préféré que ça soit noir ici. Mais bref. Et pour finir, il y a celle-là en noir que j'aime beaucoup. Aussi sur New Chic, j'ai pris une espèce de trousse comme ça. En fait, j'ai plus pensé aux vacances. Genre, je me suis dit que ça allait m'aider. Genre, c'est une trousse où je pourrais ranger tout mon maquillage. Si c'est pas le maquillage, genre la trousse de toilette, tout ça. Et elle était grave pas chère, je crois qu'elle était à 7 $, un truc comme ça. Et toujours sur New Chic, j'ai pris un fond pour les vidéos. Déjà, vous voyez que j'ai un nouveau fond. Ça marche. Et c'est un fond genre un peu comme ça, genre disco, bizarre. Je pense que je l'utiliserai genre pour faire mes make-up. Donc pour toutes les youtubeuses qui ont l'occasion de faire un partenariat avec New Chic, allez voir la catégorie background ou un truc comme ça. Il y a plein de beaux fonds dessus et ils sont archi pas chers. Toujours sur New Chic, j'ai pris un autre fond. Celui-là, je pense que vous l'avez vu sur ma vidéo cheveux là, bref. Je pense que vous vous rappelez. Il est grave beau, c'est un espèce de truc mandala façon. Mais en vrai, c'est un truc pour la plage, tout ça. Mais voilà, j'utilise en tant que fond. Et aussi j'ai pris des lumières pour les vidéos, enfin bref, ça vous verrez quand je ferai mon nouveau décor. Ensuite ça c'est une autre marque, je pense que, je sais pas si vous connaissez, mais c'est la marque Delta Comportement. Donc c'est la marque d'un pote à Junior. Et j'aime trop parce que c'est un espèce de crop top, mais il est grave, comment dire, il est grave léger. Du coup c'est un truc que vous pouvez porter même maintenant, genre alors qu'il fait chaud. Et ce que je voulais vous dire c'est que, putain le ventilateur. Et ce que je voulais vous dire c'est que je vais bientôt faire un lookbook, mais un lookbook très spécial avec la marque Delta.
Et bref, vous verrez. De toute façon, vous penserez à ce haul quand vous verrez le lookbook. Bref, en tout cas, allez voir sur Instagram le nom Delta Comportement et vous verrez tous les autres vêtements de la collection. Et je pense que ça vaut le coup d'aller voir parce que pour une marque qui débute, franchement, il y a de beaux articles. Et voilà. Ensuite, on va passer à JM Shopping. J'avais déjà eu des vêtements de chez eux. Et là, j'ai fait en gros une édition printemps-été. Et bah, j'ai pris ce haut. Un rose simple. En fait c'est une espèce de tunique. Donc il y en a par exemple qui les portent sans rien en dessous, genre sans pantalon. Mais moi je pense pas que je le porterais sans rien. Donc voilà, en fait c'est comme vous voulez. Ensuite toujours chez JM Shopping, bah, j'ai pris un kimono. Kimono rose, je pense que vous l'avez déjà vu sur mon Instagram. J'aime bien, genre ça va un peu avec le thème de l'été et tout ça. Et il est grave léger, du coup vous n'avez pas chaud avec. Ensuite on va passer à une marque que vous m'avez beaucoup demandé. Donc c'est une marque chinoise mais j'ai oublié le nom. De toute façon je mettrai tous les liens. Donc un t-shirt que j'avais déjà porté. Donc c'est ce t-shirt là, les t-shirts Tommy. Bah il vient d'un site chinois, il était archi pas cher. Et c'est un espèce de crop top. Et voilà, la qualité elle est bien en fait pour un site chinois hein. Franchement je suis pas déçue. Donc allez voir ce site, il est vraiment cool. Et il y a vraiment des trucs, comme je vous dis, des trucs d'insta tout ça. Toujours sur ce site, mais là c'est grave décevant, c'est un maillot de bain. Genre c'est un maillot de bain Tommy façon là. Mais je trouve qu'il y a trop de défauts sur les détails. Genre celui, vous voyez ça là. Genre vous êtes censé le mettre autour de votre cou, mais genre il se tourne pas genre du même côté. Enfin bref, je pense que vous comprenez en voyant là. Et je suis grave déçue parce qu'il est grave beau. Et même le bas il est beau, mais bon. Bah c'est pas grave. Ensuite ça c'est un débardeur crop top aussi de chez du même site. Je trouve qu'il est stylé mais bon il est un peu court. Donc ça c'est pareil que pour le haut que je vous ai montré au début. Faut vraiment le mettre avec un taille haute ou le mettre à la plage, un truc comme ça, parce que sinon c'est un peu vulgaire quoi. Donc voilà. Et il était archi pas cher, c'était genre quelques dollars. Donc franchement allez voir. Ensuite ça c'est ma pièce préférée de chez de ce site chinois. C'est genre une espèce de combi fleuri. Genre il y a le short et la chemise. Et vous allez voir porter que c'est grave beau, genre sur la plage ou un truc comme ça, genre c'est grave léger et tout, donc j'ai kiffé. Et comme je vous dis, c'est pas cher. Les sites chinois c'est vraiment pas cher, donc franchement, il y en a beaucoup qui hésitent par rapport à ça, mais le seul problème c'est la taille. Donc vraiment, si vous arrivez à dealer avec les tailles, il n'y a pas de problème. Sauf des fois vous pouvez tomber sur des trucs où il y a des détails bizarres, mais voilà, généralement vous n'êtes pas déçus. Ensuite toujours sur New Chic, bah, j'ai pris un t-shirt, enfin un manche long velours façon. Bah j'aime bien la matière, j'aime bien la couleur, mais je sais toujours pas comment le porter en fait. Donc on verra bien. Je l'ai aussi pris en rouge, mais ça je trouve que ça fait, au final ça fait trop genre Noël bizarre, genre même pyjama. Donc ça je pense pas que je vais le porter. Et enfin sur ce site, bah j'ai pris un jean. Franchement ça va, il est cool, mais sans plus quoi, il est normal. Voilà, après derrière, j'aime pas trop les poches en fait. Et je trouve que les poches dans un pantalon c'est grave important. Parce que c'est ça qui dessine genre... derrière et tout, et je trouve que c'est, je sais pas si elles sont trop petites ou trop serrées, bizarre, mais je sais pas, j'aime pas trop. Mais sinon la qualité franchement ça va, genre on dirait un vrai jean et il est pas cher. Donc voilà, je suis KO. Ah oui, j'avais oublié cet article de chez JM Shopping. Donc c'est une robe, genre elle est grave fraîche. Bon, je ne vais pas la porter maintenant, mais en tout cas pour les soirées tout ça c'est le feu. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Ensuite ça c'est un dernier site, mais je sais plus en fait. Je crois que c'est le site Yoins. C'est une espèce de combi, genre ça c'est un haut en gros. Et il y a un pantalon genre pas de def, évasé façon. Et genre c'est grave beau parce que en haut c'est super léger. Et en bas c'est vraiment genre classe on va dire. Du coup ça fait le compromis parfait. Et j'aime bien, juste que c'est un peu transparent, du coup j'ai le seum. Je pense que j'aurais dû la prendre en noir ou en une couleur plus sombre. Parce qu'en blanc bah, on voit trop à travers. Donc voilà. Enfin on finit avec Nacha Soglam. Donc c'est un Instagram où il y a plein de trucs, genre des accessoires, du maquillage et même des vêtements. Et là c'est un t-shirt que je vois souvent sur Instagram. Donc genre le t-shirt où il y a plein d'épingles à nourrice là, enfin là elles sont fournies dedans, je les ai pas encore mises. Mais bref, je pense que vous avez vu sur Instagram des filles qui le portaient genre sans rien et tout. Je sais pas encore comment je vais le porter parce que je ne vois pas le porter sans rien non plus. Mais bref, en tout cas si vous le cherchez, il est disponible sur le site Nacha Soglam. Donc allez voir, enfin c'est sur Instagram. Toujours de chez Nacha Soglam, bah, j'ai pris des lunettes. Vous voyez les lunettes aussi qu'on voit partout, genre on voit tout le monde avec. Donc franchement j'aime bien, elles sont belles. Et franchement les prix sur le site ils sont grave abordables. Donc allez voir, faites un tour et dites-moi si ça vous a plu. Et aussi de chez Nacha Soglam j'ai pris une broche Chanel façon. Donc genre par exemple si vous avez un blazer tout ça à un mariage, vous la mettez là ici et ça fait la diff. Et aussi la dernière pièce, ça c'est ma pièce favorite, c'est mes claquettes Nike. Je les mets avec tout, genre je m'en fous, tout le temps je les mets je sais pas, sans chaussettes, avec chaussettes, avec pantalon, avec jogging, tout. Pas sans chaussettes hein. Si, sans chaussettes hein. Quand j'allais à la mosquée je les mettais sans chaussettes hein. Sans chaussettes. Sans chaussettes.
Donc pour celles qui en cherchent, je les ai achetées à JD à 24€. Bon, c'est un peu cher, mais vas-y. Franchement, ça vaut le coup parce que vous allez les mettre tout l'été. Donc franchement, moi, je regrette pas. Et voilà, bah, c'est la fin de mon haul. Genre, j'espère que tous les articles vous ont plu ou certains articles vous ont donné envie de les acheter, tout ça. De toute façon, là, c'est bientôt les soldes. Donc je pense qu'il y aura plein de promos, plein de trucs comme ça. Et dites-moi si vous voulez des vidéos de ce genre-là, genre un peu plus mode, tout ça, genre vous connaissez. Ou des lookbooks, des trucs comme ça. Et j'essaierai de faire ça dans les semaines qui suivent. En attendant, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss. Like controller, controller.